Dans GIMP, lorsque vous travaillez sur un projet qui va demander l'utilisation de plusieurs calques, il peut être intéressant de savoir comment les organiser dans des dossiers afin de mieux les retrouver par la suite. Donc en effet, comme vous pouvez le voir ici, je commence à voir un certain nombre de calques qui sont en train d'apparaître ici dans ma composition, et je souhaiterais donc, par exemple, les regrouper afin de mieux les organiser et de pouvoir les gérer. Donc pour cela, je vais pouvoir utiliser une nouvelle fonctionnalité qui a été introduite dans cette version 2.8 de GIMP, qui est tout simplement le regroupement et le classement arborescent des calques sous forme de dossier. Donc pour cela, vous allez pouvoir dans un premier temps sélectionner les différents éléments que vous souhaitez regrouper sous forme de dossier. Donc par exemple, je souhaiterais dans un premier temps créer un dossier qui va contenir ici les différents rectangles. Qui vont me permettre de créer par la suite une sorte d'écran, et par la suite un autre dossier qui me permettrait de réunir ces deux images en tant que fond. Donc je vais dans un premier temps me rendre par exemple sur ce rectangle, et par la suite tout en bas de mon panneau calque, je vais pouvoir créer un nouveau groupe de calques à partir de cette image. Donc je clique tout simplement sur ce petit dossier pour créer un groupe, et automatiquement j'ai maintenant un dossier qui vient d'être apparu. Et ce dossier, je vais pouvoir le renommer. Donc, par exemple, en réalisant un double clic dessus, je vais le renommer tout simplement Rectangle. Donc, je sais comme ça qu'il va contenir les différents rectangles à l'intérieur. Donc, actuellement, ce dossier est vide. Pour insérer différents éléments à l'intérieur, je clique, par exemple, sur le calque qui se trouve en dessous. Je clique, je maintiens mon clic enfoncé et je viens le placer à l'intérieur de ce dossier Rectangle. Alors, automatiquement, j'ai maintenant un petit écart qui apparaît. Vous voyez que l'alignement est différent par rapport à celui des autres calques qui m'indique tout simplement que le groupe rectangle contient à l'intérieur le calque copie de calque. Je vais pouvoir maintenant procéder de la même façon avec le deuxième calque qui se trouve en dessous. Je clique, je maintiens mon clic enfoncé, je viens le placer dans le groupe rectangle. Je relâche. Vous voyez ici la petite arborescence qui est marquée tout simplement par les petits traits qui vont me permettre de relier ces deux calques à, au groupe de calques intitulé rectangle. J'ai actuellement un groupe de calques rectangles qui est déployé, tout simplement parce qu'ici j'ai un petit moins qui apparaît, d'où l'arborescence qui marque ici la liaison avec ces deux calques. Pour réduire maintenant ce dossier, je clique sur le petit moins et vous voyez ici que j'ai maintenant le moins qui a été transformé par un petit plus. Vous allez retrouver ce principe par exemple dans vos dossiers de l'explorateur de Windows qui vous permettent à tout moment de consulter les types de calques que contient votre groupe. Donc je clique à nouveau sur plus et je peux ainsi déployer mon dossier afin de voir les différents calques qui le composent. Alors ce qui est très bien avec ces types de groupes, c'est que vous allez pouvoir à tout moment décider de gérer par exemple plusieurs calques en même temps tout simplement à partir de votre groupe. Par exemple, si je souhaite masquer les deux calques qui se trouvent ici au lieu de cliquer à chaque fois sur l'œil qui va correspondre à chacun de ces deux calques je vais pouvoir le faire tout simplement en masquant le groupe Rectangle. Je masque le groupe Rectangle et automatiquement je vais ainsi interagir directement avec tous les calques qui vont se trouver à l'intérieur. De la même façon, si je m'en sur Rectangle et que je réduis l'opacité comme ceci, je vais en fait avoir réduit l'opacité de chacun de ces éléments. Voilà, il s'agit de quelque chose de très utile. Donc je vais réduire à nouveau ce groupe, je vais augmenter à nouveau un petit peu plus l'opacité, ce qui va me permettre de faire apparaître à nouveau mes deux calques. Et je vais ainsi pouvoir procéder maintenant de la même façon, par exemple, avec les deux éléments qui se trouvent en dessous, en créant un nouveau dossier, en insérant à l'intérieur ces deux éléments. Alors évidemment, à l'intérieur d'un même groupe, vous allez pouvoir directement modifier l'organisation. Je vois ici arrière-plan qui apparaît. Par-dessus homme, donc l'homme est donc masqué, je vais venir le placer en dessous de cette façon. Donc voilà, alors sachez à tout moment, si vous souhaitez par exemple sortir un élément d'un groupe, par exemple ici homme, je souhaite le sortir de mon groupe, il me suffit de cliquer dessus, et je vais maintenant venir le placer par exemple ici, entre les deux groupes. Je clique, je relâche, et voilà, j'ai maintenant le groupe de calques qui ne contient qu'un seul calque, je vais pouvoir aussi sortir de la même façon, ce qui aura pour effet tout simplement d'avoir un groupe de calques qui va être vide et que je pourrai par la suite supprimer en cliquant sur la petite poubelle. Donc voilà, grâce à ce module, vous savez maintenant désormais comment créer un groupe de calques dans votre logiciel GIMP afin de mieux les organiser et de mieux les gérer.